C'est avec un grand plaisir nous rejoindre sur le même site ça qui c'est www.equipehaitijodia.com. C'est toujours ami Fortuné Charlotte qui est toujours là pour vous porter un pile belle vidéo qui vraiment intéressé au sur site là. Jodi a nous va parler de implication femmes haïtiennes dans l'agriculture. Et agriculture, depuis nous parler d'agriculture, nous toujours maintenant tête nous c'est une activité que garçon qu'a fait seulement. Pourtant, ce n'est pas ça du tout. Filles impliquées, surtout mesdames haïtiennes, nous impliquées grandement dans l'agriculture pays nous. Et moi, je vais montrer nous comment vous impliquées dans quatre façons. Dans la production, dans la commercialisation, dans la transformation et dans l'élevage. Comment mesdames vous-même vous impliquées dans la production agricole là? Nous allons regarder les deux façons. Parfois, mesdames, yon dans la cour, yon une série de petits jardins que vous faites, que nous-mêmes nous relayons au jardin la cour. Dans le jardin, ça, vous jouez dans pile culture et qui pourra répondre à besoin de famille. Et parfois, on joue une culture maraîchère, parfois, on joue une plante médicinale. Mesdames, yon vraiment, vraiment sensible au jardin, ça, qui c'est jardin la cour. Et là où il y a de ça, ça économise, ça fait ou fait économie. Parfois, il y a besoin d'acheter une graine de piment, il y a besoin d'acheter une graine de poivron. Il y a toujours ça dans la cour, et il y a une plante médicinale tout pour fêter, pour répondre avec des besoins. Ensuite, mesdames, vous avez fait grand jardin tout, mais surtout impliqué dans ça qui est les cultures successives. Nous ne parlons pas de rotation de culture. Dans le cas ça, nous avons dit rotation de culture, mais nous avons dit culture successive dans le cas, mesdames, parce que rotation de culture, c'est l'organisation même de culture successive. Et mesdames, vous-même, vous impliquez dans la culture ça. Qui est la culture successive? C'est la culture que mesdames, vous-même, vous planté plusieurs fois pendant une campagne agricole. Ça veut dire, dans une terre que vous avez, ou quand dans la saison, ça vous plantez poids. Dans l'autre saison, vous pas planté, vous plantez une autre culture. Et puis, dans l'autre saison, vous plantez poids encore. C'est comme ça, mesdames, vous-même, vous impliquez dans le jardin ça. Ensuite, mesdames, vous-même, j'ai avec garçon, vous avez fait semi. Yo kon planter, yo kon transplanter, yo kon faire ça qui est le désherbage, yo kon sacler tout, yo kon arroser. Et mesdames, yo même rivé et impliqué et na récolte et produit ça yo. Les mesdames yo récolté produit yo et yo aller commercialiser. C'est un rôle que mesdames yo joue très 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 bien dans agriculture qui c'est commercialisation. Parfois mesdames yo fait commercialisation partielle. Parfois, on fait commercialisation permanente. Ça qui fait commercialisation partielle, c'est mesdames qui gagnent jardin ou bien famille qui doit gagner un jardin. Et puis, dans leur récolte, mesdames, ça yo même yo là pour yo al vendre dans le marché. Yo fait commercialisation partielle. Mais gagnent yon l'autre grand rôle que mesdames yo jouent qui c'est dans commercialisation permanente. Surtout, ça nous les madame Sarayo ou bien Timachon yo. Mesdames, ça yo même, yo jouez un intermédiaire entre producteurs et avec consommateurs. Côté produit, mesdames, yo abjouen ni pour porter baou, soit qui nan milieu et rural, ou bien qui nan milieu urbain, ou bien nan ville. Mesdames, ça yo toujours là, quitte yo gen jardin, quitte yo pa gen jardin, y a 20 produits agricoles. Yo gen doit aller dans une zone qui pi pre yo aller yo acheter, et comme ça, y a mette dans machine pour yo al vendre. Mesdames, ça c'est un ensemble de mesdames qui valorise la production nationale. La. Et côté y a rejoint, qui tout plante une culture dans la zone, qui tout pas planté, mesdames, ça yon même yon fait rejoint une culture là et ou même pour capable consommer. Femmes haïtiennes yon implique grandement dans la transformation de produits agricoles. Transformation produits agricoles, nous connaissons qui importance de gagner surtout dans la réduction de perte post-récolte. Là ou fait un jardin, li rete, li pa vann ou bien li ou pa fè bénéfice sou li ou sa ou te ka conserver ou pa gen moyen pour conserver. Mesdames yo konn la tout pour yo transformer produit sa yo pour yo augmenter valeur marchande produit sa yo. Et bien mesdames haïtiennes, nou yo fò nan sa yo, fò nan fè manba yo, fò nan fè akasan pour vann. Yo fò nan ensemble de bagay que yo konn fè avec produit nou yo pour empêcher yo gâter ou bien pour empêcher yo gaspiller, surtout récolte qui périssable yo mesdames yo même yo konn transformer yo pour yo économiser et pour yo capable faire économie ou bien l'argent entrer nan foyer ya. Mesdames, vous aussi vous faites élevage, mais surtout vous qui fait élevage pour dans la cour pour consommer, pour commercialiser ou bien pour vendre tout.
Nous, mesdames, nous sommes vraiment impliqués soit dans la production, dans la commercialisation, dans la transformation de produits agricoles et dans l'élevage, surtout l'élevage poule. Et c'est ça qui fait nous porter une vidéo ça pour nous capables de connaître comment mesdames, nous, mesdames haïtiennes, impliquées grandement dans la production agricole et impliquées dans l'agriculture. Et comme ça, nous avons plus de valeur dans la chaîne ça qui c'est agriculture. Merci parce que vous avez toujours été avec nous sur www.equipehaitijodia.com. C'est toujours Zami ou Avonop Fortuné Charlotte qui est toujours là pour. Merci.